sonra. Voici la balance, appelée Khonsu. À notre mort, la déesse Mahal.
Wow. Quoi? J'espère pas t'enfuir. Voilà Horus, le faucon, le grand noir, le dieu du ciel. Le soleil est son œil droit, et la lune, son œil gauche. Il traverse à jamais le ciel, faisant le jour et la nuit. C'est celui-là l'œil d'Horus que portent les Medjay? Oui, Kemo. Et le pharaon, c'est Horus, c'est ça? Oui, mon fils. Le pharaon est Horus dans la vie, et Osiris dans la mort. C'est pour ça que le pharaon ne règne pas seulement sur l'Égypte, mais sur le monde entier. Enfin, seulement les vrais pharaons.
Se lève. C'est mauvais signe. Oh.
Vieilles écritures de l'ancien royaume.
Oh. Retransmission, segment 5, acquisition de contemporanéité. 105 jours se sont écoulés depuis la grande catastrophe. Le messager parle. La couleur bleue. Nous pensons que tout le monde la voit comme nous. L'océan, le ciel, International Klein Blue. Mais qui dit que votre bleu et le mien sont identiques? Le voyez-vous vraiment tel que je le vois? Des fréquences si élevées que seuls certains peuvent les entendre. Une réaction plus fine au goût des aliments. Des couleurs visibles seulement par quelques humains. Une voix aiguë, perçue comme du ver vivant. Les perceptions définissent la réalité. Le daltonisme, les acouphènes, le supergoût, le tétrachromatisme, la synesthésie. La réalité est un modèle mathématique résolu encore et encore par l'observateur. Vos pensées sont des calculs. Elles retranscrivent ce monde que vous appelez le vôtre. Les processeurs ne sont pas tous identiques. Des cerveaux différents génèrent des réalités différentes. Les variations s'étagent, du subtil au drastique. C'est votre esprit qui définit votre palette gustative, ce que vous ressentez, ce que vous comprenez. La perception définit la perspective. Là où quelqu'un voit un crâne, un autre voit une femme dans un miroir. Là où quelqu'un perçoit le silence, un autre entend des voix enchanteresses. Vous ressentez ce que votre cerveau vous permet de percevoir. Nous avons délimité vos sens afin que vous ne perceviez que ce qu'il vous était nécessaire de percevoir. Ni plus, ni moins. Il existe des portions du temps que nous avons préféré vous dissimuler. C'était une nécessité. Nous avons 6 sens, vous en avez 5. Pouvez-vous deviner lequel vous manque? Depuis des siècles, l'humanité lutte pour la liberté. La cage réelle n'est pas autour de vous. Elle est en vous. Votre esprit ne vous permet pas de vous aventurer dans des territoires inconnus. Une cage de Faraday pour l'esprit. Une camisole de force intangible. Des événements tels que Sweep et Julia nourrissent les théories du complot sur Internet. Des sons inconnus, entendus une seule fois. Un cabinet de curiosité pour l'époque moderne. Et pourtant, c'était des messages comme celui-ci. Attendant leur observateur, leur processeur compatible. Les visionnaires humains ont détecté les contours de leurs limites.
Ils ont rédigé des articles obscurs, des romans de science-fiction à succès, certains nous demandant d'arrêter le monde. Mais ce n'était rien de plus, des fictions. Qu'aurait-elle pu être d'autre ? La réalité est ce que l'observateur l'autorise à être. L'effet Doppler, le ruban de Möbius, les déjà-vus, Cicada 3301, UVB 76, les fulgurants Eureka, les ambigrammes et les anamorphoses, B égale NB. Le chat de Schrödinger est-il mort ou vivant ? Tout dépend de ce que l'on perçoit, de ce que la cage vous empêche ou non de voir. Pensez. Réfléchissez. Laissez votre esprit se libérer. Explorez les limites de votre réalité.